Et salut à tous, c'est Gabi. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, 3, 5 de Planet Zoo, de notre franchise en mode prairie. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous aimez déjà la vidéo. Et je vous remercie d'être là en tout cas. Alors, la dernière fois sur notre zoo, on avait fini un enclos pour nos wallabies, que je trouve franchement mignon. J'ai vu que... Ouais... J'ai vu que nos tatous, ils avaient bien grandi. Je veux juste voir le niveau des tatous. On va les envoyer au centre d'échange et on va voir si on peut pas s'en acheter des mieux. Hop, tatous. Ouais, y'en a pas des meilleurs. Bon, bah pour l'instant, on va continuer avec ceux-là. On va vendre juste celui-là pour un prix raisonnable. Et le reste, on va relâcher dans la nature. Voilà, comme ça, ça augmente notre note. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est l'entrée. Donc, ça, j'aimerais bien le garder. Mais je vous explique. Ce que je voudrais faire ici, c'est... proposer aux visiteurs de pouvoir voir en hauteur l'enclos qui va se situer ici des gnous. À savoir que l'enclos des gnous ici en fait ce sera bien muffé, donc les visiteurs pourront peut-être voir un petit peu les bâtiments du personnel, mais en soi c'est pas trop grave. Mais je trouvais intéressant de faire un bâtiment ici qui serait en continuité avec celui-là, où l'entrée en fait de l'enclos serait ici. Et du coup, l'enclos serait beaucoup plus grand. Et encore une fois, comme le gnou est vraiment dans la région d'Afrique, faire une plaine en fait. Ouais, on va faire une plaine. Et en fait ici, j'aimerais enlever ces bâtiments-là et les mettre légèrement en hauteur, pour que derrière les visiteurs puissent accéder ici. Bien sûr, ici l'enclos, on va le décaler pour faire de la place et on va décorer ici. Alors, c'est parti, on va commencer par vérifier. Ok. Voilà. Alors. Alors j'aurais bien voulu faire ça, mais je crois que ça va pas être possible. Non. C'est normal, hein. S'il se met là, c'est parce que... hop, pas grave. Bah pourquoi pas faire ça en fait. Hop. Ici. On va faire en sorte que ce soit ouvert. Comme ça, il peut venir juste ici. De toute façon, l'impact s'arrête ici. Ok. Bon, c'est parti. Hop. Ça, on va bouger. Ok. On a notre base. Je vais juste avoir besoin de ça. Pourquoi pas mettre ça comme ça en fait. Plus simple.
Ouais, mais un bâtiment, ça serait plus beau quand même. Donc j'ai bien décidé de le mettre comme ça. Voilà. Ok, maintenant on va aller chercher ça. Alors, étant donné que dans ce DLC, on n'a pas d'éléments de construction, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les moyens du bord, tout simplement. Mais j'aimerais bien quand même garder une structure. En fait, ça j'aime bien. Mais j'ai vu un truc qui était pas mal. Et j'avais une bonne idée. On va partir avec ça. En faisant une devanture en calcaire. Ouais, ça ne passe pas. Il veut pas à cause de l'eau. Pourquoi ça passerait pas, franchement? Sérieux. Mais... Bon là. Bah voilà.
Voilà, là on est à peu près aligné. Hop, je le remets comme je voulais le mettre. Est-ce que ça va le faire? C'est pas grave, c'est légèrement de côté, mais c'est pas grave. Oh non, c'est franchement moche. Putain, c'est pas possible. Voilà, là c'est droit. Ok. Ah, du coup, je finis. Ok, c'est bon, j'ai ma base. Mais c'est pas possible ça. Ok tout le monde, il me reste plus qu'à mettre ça de ce côté ici. Et on aura fini notre premier point si j'arrive. Hop. Allez. Bon c'est pas grave. On va le placer aussi ici. C'est dingue ça que j'arrive pas à le... Ouais. J'arrive pas à l'avoir. Comment ça se fait que là... C'est bizarre. Voilà, tu me le prolonges. Ça m'embête ça. Voilà. Ici on a fini. Il nous reste plus qu'à mettre ça juste ici. Quoique le mettre un petit peu plus renfoncé, ça serait pas mal. Lui aussi d'ailleurs, on va faire ça. Hop, ici il est soutenu. Ici aussi. Et ici aussi. Ah mais c'est pas là qu'il fallait le mettre. Voilà. Donc ça c'est prêt. Il reste plus qu'à mettre hop, nos affiches Hot Dog Squad et Cosmico. Hot Dog Squad. Et Cosmico.
Cosmico, voilà. Oh. Oh. Il est pas plus petit ? Mais enfin... Bon. Donc on va faire ça. On va juste ajouter... Alors ça c'est trop grand. Voilà. Touk touk touk. Ok, on a mis ça. Normalement c'est bon, il reste plus qu'à mettre les poubelles. La poubelle. Ah, et ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Mettre celle-là. Hot Dog Squad. Cosmico. Voilà. Ici, on est bien. Hop, on va bien sûr changer ça. Parce que je veux juste qu'il y ait cette zone là qui fasse ça. Toi, tu t'en vas. Ici, on remet bien sûr notre allée. Ici, tu vas mettre une allée, mais légèrement plus grande. Qui va être chiant. Ici, on a notre petit point de vue pour les gnous, après. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer. Alors, continent, Océanie et Afrique. Quoi qu'on pourrait juste mettre Océanie. Prairie, désert, aquatique. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Ça, j'aime bien. On va mettre ça là. Des petits bancs. Il y a tout ce qu'il me faut en vous là. On va aussi bien sûr... mettre ça, pourtant. Toi, on va faire de même. On va bien sûr mettre de l'éclairage.
Alors ça, c'est toutes nos suspensions, mais... Ok. On va mettre un ici, bien sûr. Lumière au sol, non. Moi, il me faut un truc contre... Je vais mettre ça, il n'y a rien de mieux. Bah, il y aurait eu ça, mais ça fait trop en fait. Je sais pas. On va déjà faire avec ça. Après, on verra. Comme ça, on a nos lumières. On a nos lumières avec l'entrée du zoo. Hop. Et ici, du coup, on revient dans notre nature. Je vais peut-être juste mettre des corps généraux. C'est pas ici? C'est pas encore celle-là. C'est pas celui-là non plus. C'est un qui est en bois. Mais évidemment, là, il n'y est pas. Celle-là. Un petit peu de décor à côté. Ok. Bon, du coup j'ai fait ça en vitesse et je me suis amusée à faire un petit endroit comme ça ici en attendant que ce soit décoré. On va finir notre décoration. Mais en fait j'aimerais bien quand même qu'on voit. Du coup je trouve que ces arbres sont trop grands. Ça c'est bien, mais... Oh ouais, c'est trop grand. Ça, ça va être pour le fond de l'eau. Hop, ici comme ça. On a fait ça ici. Hop, et pourquoi pas mettre ici en déco. Pièce maîtresse, statue récompense, alors, papyrus, bison d'Afrique, fennec, non. Ici, on a un tattoo. On va mettre notre tatou ici. Hop.
Non, par contre, vraiment, là, on a rien du tout avec le pack de contenu. C'est chiant d'avoir juste ça. Hein. Ah mais oui, bien sûr, j'ai oublié de mettre ça. C'est genre ultra important. Ok, ça c'est bon. Ok, j'ai bientôt fini ma petite zone. Hop, on va en mettre quand même un petit peu ici aussi. Alors ici en déco, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que sinon ça fait quand même un peu vide. Hein. Voilà, j'aime bien. Est-ce qu'on pourrait pas quand même rajouter un petit peu de roche? Ça c'est un peu trop. Ah bah voilà, vous savez ce qu'on va faire, on va utiliser ça. Hop. Comme ça. Du coup, ouais, j'aime bien.
Ok. Ça, c'est fait. Je pense qu'au niveau de la déco ici, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a oublié d'en mettre ici. Est-ce que je peux le retourner? Mais bien sûr. Bah du coup, le tatou, tu vas venir ici. Et on a nos 7 animaux. Attendez, je regarde une thèse. Le caracal, le gnou bleu. Le gnou bleu, ouais, les papillons, ça, les trois. Bah c'est bon, on a tout. Voilà. On a notre petite déco. Hop, dans nos services, on va juste rajouter ça. En dessous de la poubelle, pourquoi pas. Ah mais non, merde, c'est pas un haut-parleur pédagogique que je veux, c'est un haut-parleur musique. Voilà. Et tu vas mettre une ambiance... Désert la nuit. Allez hop. Voilà, comme ça on le voit pas. Ici, il va falloir que j'attende la nuit pour pouvoir le faire, mais j'aimerais bien mettre un petit spot quand même. Histoire de voir ce que ça décore. Bah voilà, on a fini. Bon voilà, écoutez, on a fini. On a fait notre petite zone de décoration ensemble. Avec les rochers tout autour. Je trouve ça franchement mignon. Surtout que les gens vont pouvoir monter tranquillement. Ici, maintenant, c'est parti. Et du coup, ça, hop. Ouais, je vais le mettre là. Je vais juste changer la couleur. Ah, crotte de bique. Oh, c'est pas grave. Voilà. Comme ça, ici, on est tranquille. Ça, je ne voulais pas le mettre là. Je vais le mettre là. On va aussi changer les couleurs. Toi tu pars. Toi tu viens là. Voilà, là on a bien décoré le truc. Je suis quand même contente. Ouais, j'aime bien. Comme ça il rentre, il voit direct ça. Et ici, ils vont pouvoir voir à peu près de côté. Bah voilà, les amis, écoutez, c'est peut-être un épisode un peu court pour vous, mais pour moi, c'était assez long parce que sur le côté, il fallait que je fasse les coupures et tout ça. Et je pense que si on fait l'enclos des gnous en même temps, ça va être un peu trop long la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire dans la prochaine fois. Alors c'est pas grave si il y aura beaucoup d'épisodes, tant qu'ils sont courts, je pense que c'est le mieux. Donc on a vraiment fait notre zone d'entrée. Ici ce sera une autre zone aussi où on va peut-être faire un copier-coller mais de l'autre côté, mais avec des points d'information. Je pense que c'est pas mal, puisque de toute façon ici ils peuvent aller voir. Et ils vont m'agacer à se mettre toujours là-bas. Je vais faire un truc, hein.
Comme ça, ils vont peut-être arrêter. Et ici aussi, je vais le décaler. Normalement, il devrait plus être embêtant. Hein. Et bah voilà, tu sais pas. Hop, on va vérifier nos petits animaux parce que j'ai l'impression du coup, oui, on est à Wallaby et trois émeus. Oh, coucou vous. C'est tout mimi. Bah voilà. Bon, on y va tout doucement pour cette saison, mais on fait un beau zoo. Donc ici, pour la prochaine fois, en fait, j'aimerais faire un renfoncement, donc c'est-à-dire abaisser le terrain pour faire un enclos qui descend un peu. Et c'est ce qu'on fera pour la prochaine fois. Bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.